Ça me fascine de voir que ces petits trucs, ces espèces de pétales là, brunes foncées, c'est des êtres vivants. Ça contient l'ADN comme mes propres cellules. On est cousins, quoi. C'est fascinant. Ce sont des lichens. Les lichens sont des symbiotes entre champignons et algues. Et oui. Les algues ne se retrouvent pas seulement dans l'eau. Elles peuvent se retrouver avec des lichens sur la terre, comme ici. Il y en a des variétés vertes ici. Et ça, ça forme des patterns. En tout cas, c'est super. Et là, c'est le... C'est l'embouchure de la rivière Manicouagan. On est le 3 mars. Le temps est exceptionnellement doux. Et on voit l'embouchure de la Manicouagan qui se jette dans le Saint-Laurent. Sur une belle place ici. On voit le Saint-Laurent là-bas et les montagnes de la Gaspésie. Meilleure vue du Saint-Laurent à partir d'ici. Lorsque j'étais enfant, c'est-à-dire il y a 60 ans, en bas là, il n'y avait pas d'arbres. Il y avait eu un incendie à quelques années avant ma naissance. Je ne sais pas exactement quelle année, je pense en 1952. Et on venait en famille cueillir les bleuets ici au mois d'août. Blueberry. Comme dans la chanson I got my thrill on the blueberry hill. Plus tard, quelques années plus tard, avec mes amis, on avait construit un camp dans la forêt, quelque part par là. Et quelques semaines après l'avoir fini la construction, quelqu'un l'a incendié.